Bonjour tout le monde, on va démarrer cette rubrique intitulée Ma déclaration. Donc le Conseil national des droits de l'homme a souhaité associer une dizaine de personnalités marocaines ou étrangères qui viennent du monde de la culture, de l'art et des médias, et de leur demander d'interagir avec le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en y apportant bien évidemment une petite touche personnelle à partir de leurs préoccupations et de leur ancrage au niveau local, régional et international. Et c'est dans ce cadre-là qu'on accueille Fatim Laïachi, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, quelques petits mots sur notre invité. Madame Laïachi est une artiste éclectique. Elle est bien évidemment connue comme une comédienne ayant participé à plusieurs longs-métrages, Maroc, L'Amante du Rif, et j'en passe. Elle a aussi participé à plusieurs pièces de théâtre, Elle s'est exercée aussi à la mise en scène, notamment dans le cadre d'un projet qu'elle a intitulé « Je dis non ». Mais elle est aussi connue pour son activité de chroniqueuse dans le cadre d'une rubrique du journal et du magazine Tel Quel, avec une plume particulièrement décapante où elle décrit la réalité, les paradoxes du Maroc actuel, de tous les petits arrangements qu'on a tous avec la réalité marocaine. Bien évidemment, elle décrit un certain nombre de phénomènes de réalité sociale, les inégalités, mais aussi le mauvais goût, et ceci à travers à la fois des faits réels, en y mettant d'elle-même, de son entourage, de sa famille. Mais c'est bien évidemment, l'art de la chronique. Hein. Il y a à la fois des personnages réels et des personnages fictifs. C'est des chroniques qui sont écrites. C'est ce qu'on dit. On dit que la chronique est ce qu'il y a de plus écrit dans un journal. Et comment dit la chronique parisienne, je pense que Fatim Laïachi a inauguré avec ses chroniques une forme de chronique casablancaise. Donc c'est pour toutes ces raisons que son regard et la pertinence de sa plume nous ont intéressés dans le cadre de cette rubrique. Fatim Laïachi a souhaité aborder la Déclaration universelle des droits de l'homme d'un point de vue plutôt contextuel. Elle a souhaité nous entretenir de ce qui a prévalu à l'élaboration de cette charte, de cette déclaration, et de notamment tous les textes qui ont précédé cette déclaration. Donc je vais lui donner la parole et on aura une partie d'échange avec vous. Merci. Bonjour, merci pour cette présentation. Je remercie infiniment le CNDH de m'avoir invité aujourd'hui à vous rencontrer et me donner la chance de m'exprimer. Je trouve ça très important de rappeler et de fêter l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, justement parce que c'est quelque chose d'universel. Et bizarrement, quand on a tendance à parler de questions des droits de l'homme, on entend souvent que oui, mais ici c'est différent, il y a une histoire de contexte. Moi je pense pas que la liberté et la dignité soient des choses contextualisables. Et,
et la Déclaration universelle des droits de l'homme et cette première reconnaissance universelle justement du fait que les libertés et les droits fondamentaux sont inhérents à tout être humain, quel que soit son âge, son sexe, sa nationalité, son lieu de naissance, son lieu de résidence. Et je pense que la date du 10 décembre 1948 a été un peu le fondement de notre avenir commun en tant que... Et dans le préambule de la Constitution, il est question de famille humaine. Et je trouve ça très beau de parler de famille humaine, qu'on a tendance à l'oublier. La barbarie gagne du terrain partout, le capitalisme fait des ravages partout. Je pense qu'il est important de rappeler que nous sommes une famille humaine et que la liberté et la dignité doivent être absolument égales et universelles. Donc je remercie le CNDH d'exister, parce que je trouve ça super que cette structure existe. Je remercie le CNDH de rappeler des choses essentielles et universelles. Donc voilà, merci de m'avoir invité. Donc en effet, moi j'ai choisi de vous lire certains textes que je trouve absolument fascinants et qui sont bien antérieurs à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le premier date du XIIIe siècle et en fait je trouve ça intéressant de voir comment historiquement les notions de liberté, de droit, de dignité ont progressé dans le temps. Alors au début, on était loin d'être dans l'universel justement, mais comment en 48 on est arrivé à... Donc le premier extrait que j'ai choisi de vous lire donc date du 11 février 1225 et c'est un extrait de la charte de Henri III, donc on est en Angleterre et c'est un des premiers textes qui pose les jalons de la liberté de l'homme comme valeur suprême. Donc l'article 29, aucun homme libre ne sera arrêté, ni emprisonné, ni dépossédé de sa libre tenure, de ses libertés ou libres coutumes, ni mis hors la loi, ni exilé, ni molesté, en aucune manière. Et ne nous mettrons ni ne ferons mettre la main sur lui, si ce n'est en vertu d'un jugement légal de ses pairs et selon la loi du pays. Nous ne vendrons, ne refuserons ou ne différerons à personne le droit ou la justice. Je rappelle qu'on est en 1225. Toutes les coutumes ci-dessus rappelées et toutes les libertés que nous avons concédées dans notre royaume pour être possédées par nos propres vassaux seront de même respectées par tous nos sujets, clercs ou laïcs, à l'égard de leurs tenanciers. Pour la concession et donation des libertés susdites ainsi que des libertés contenues dans notre charte des forêts, les archevêques, évêques, abbés, prieurs, comtes, barons, hommes d'armes, libres tenanciers et tout autre de notre royaume nous ont donné la 15e partie de tous leurs meubles. Nous la raccordons également en notre nom et au nom de nos héritiers que ni nous ni nos héritiers n'exigerons d'eux quoi que ce soit de contraire aux libertés contenues dans la présente charte ou d'inciliable avec elles. Et de tout ce qui pourrait être exigé de l'un d'eux, contrairement à cette disposition, sera nul et non avenu. On se déplace un peu, là, on se déplace un peu dans le temps, on est toujours en Angleterre. Et c'est des extraits du Bill des droits du 13 février 1689. Vous avez pu l'entendre, les premiers extraits que je vous ai lus, il n'est absolument pas question d'universalité des droits ou de la liberté. Et là, on commence un petit peu à se rapprocher de ça. Alors, l'Assemblée déclare d'abord, pour assurer leur ancien droit et liberté, que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de suspendre les lois ou l'exécution des lois sans le consentement du Parlement est illégal. Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de dispenser des lois ou de l'exécution des lois comme il a été usurpé et exercé par le passé est illégal. Que la commission ayant érigé la ci-devant cour des commissaires pour les causes ecclésiastiques et toute autre commission et cour de même nature sont illégales et pernicieuses.
qu'une levée d'argent pour la couronne ou à son usage, sous prétexte de prérogative sans le consentement du Parlement, pour un temps plus long et d'une manière autre qu'elle n'est ou ne sera consentie par le Parlement, est illégale. Que c'est un droit des sujets de présenter des pétitions, que tout emprisonnement et poursuite à raison de ces pétitionnements sont illégaux. Que la levée et l'entretien d'une armée dans le royaume en temps de paix sans le consentement du Parlement est contraire à la loi. Que les sujets protestants peuvent avoir pour leur défense des armes conformes à leurs conditions et permises par la loi. Que les élections des membres du Parlement doivent être libres. Que la liberté de la parole ni celle des débats ou procédures dans le sein du Parlement ne peut être entravée ou mise en discussion en aucune cour ou lieu quelconque autre que le Parlement lui-même. Qu'il ne peut être exigé de caution ni imposé d'amende excessive ni infligé de peines cruelles et inusitées. Que la liste des jurés choisis doit être dressée en bonne et due forme et être notifiée. Que les jurés qui, dans les procès de haute trahison, prononcent sur le sort des personnes doivent être des francs tenanciers. Qu'enfin, pour remédier à tout grief et pour l'amendement, l'affermissement et l'observation de loi, le Parlement devra être fréquemment réélu. Voilà. Toujours dans ces grands textes sacré de la liberté, maintenant on va aller aux États-Unis en 1777. C'est le Bill des droits de Virginie. Article 1er. Tous les hommes sont nés également libres et indépendants. Ils ont des droits certains, essentiels et naturels, dont ils ne peuvent par aucun contrat priver ni dépouiller leur postérité. Tels sont le droit de jouir de la vie et de la liberté. Avec les moyens d'acquérir et de posséder des propriétés, de chercher et d'obtenir le bonheur et la sûreté. Toute autorité appartient au peuple et par conséquent émane de lui. Les magistrats sont des mandataires, ses serviteurs, et lui sont comptables dans tous les temps. Le gouvernement est ou doit être institué pour l'avantage commun, pour la protection de la sûreté du peuple, de la nation ou de la communauté. De toutes les diverses méthodes ou formes de gouvernement, la meilleure est celle qui peut procurer au plus haut degré le bonheur et la sûreté et qui est le plus réellement assurée contre le danger d'une mauvaise administration. Aucun homme ni aucun collège ou association d'hommes ne peuvent avoir d'autres titres pour obtenir des avantages ou des privilèges particuliers. La considération de service rendu au public et ce titre n'étant ni transmissible aux descendants ni héréditaire. L'idée d'un homme né magistrat, législateur ou juge est absurde et contre nature. La puissance législative et la puissance exécutive de l'État doivent être distinctes et séparées de l'autorité judiciaire. Et afin que devant supporter eux-mêmes les charges du peuple et y participer, tout désir d'oppression puisse être réprimé dans les membres des deux premières. Ils doivent être à temps marqué, réduits à l'état privé, rentrer dans le corps de la communauté d'où ils ont été tirés originairement. Article 10. Dans tous les procès pour crimes capitaux ou autres, tout homme a le droit de demander la cause et la nature de l'accusation qui lui est intentée, d'être confronté à ses accusateurs et aux témoins, de produire et requérir la production de témoins et de tout ce qui est à sa décharge, d'exiger une procédure prompte par un jury impartial, sans le consentement unanime duquel il ne puisse pas être déclaré coupable. Il ne peut être forcé à produire des preuves contre lui-même. Et aucun homme ne peut être privé de sa liberté que par un jugement de ses pairs en vertu de la loi. Le peuple a droit à un gouvernement uniforme. Ainsi, il ne doit être légitimement élevé ni établi aucun gouvernement séparé. Un peuple ne peut conserver un gouvernement libre et le bonheur de la liberté que par une adhésion ferme et constante aux règles de la justice, de la modération, de la tempérance, de l'économie et de la vertu, et par un recours fréquent à ces principes fondamentaux. La religion ou le culte qui est dû au Créateur et la manière de s'en acquitter doivent être uniquement dirigés par la conviction et la raison, jamais par la force et la violence. D'où il suit que tout homme doit jouir de la plus entière liberté de conscience et de la liberté la plus entière aussi dans la forme de culte que sa conscience lui dicte et qu'il ne doit être ni gêné ni puni par le magistrat à moins que sous prétexte de religion il ne troublât la paix, le bonheur ou la sûreté de la société.
C'est un devoir réciproque de tous les citoyens de pratiquer la tolérance, l'amour et la charité les uns envers les autres. On reste aux États-Unis, on est en 1787, et c'est la Constitution fédérale, aussi appelée The Bill of Rights. Article 1er. Le Congrès ne pourra établir une religion d'État, ni interdire le libre exercice d'une religion, ni restreindre la liberté de la parole ou de la presse, ni le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser au gouvernement des pétitions pour le redressement de ses griefs. Article 6. Dans toute poursuite criminelle, l'accusé jouira du droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial. Il aura le droit d'être informé de la nature et du motif de l'accusation portée contre lui, d'être confronté avec les témoins à charge, d'assigner des témoins à décharge et d'être assisté d'un avocat pour sa défense. Là, on revient plus proche de nous géographiquement. On est en France. Et c'est un des extraits de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été adoptée par l'Assemblée nationale constituante le 26 août 1789. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'existence des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de recourir personnellement par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux. Tous les citoyens sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. S'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Voilà, je vais terminer avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été votée par la Convention nationale en France le 23 juin 1793. Article 1er. Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. Tous les hommes sont égaux par nature et devant la loi. La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale. Elle est la même pour tous. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Elle a pour principe la nature, pour règle la justice, pour sauvegarde la loi. Sa limite morale est dans cette maxime: ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.
La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. La loi doit protéger la liberté. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. Voilà. Merci à la fois de ce retour qui montre bien que là, en fait, la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas née de rien. D'abord, elle a été précédée par un certain nombre d'écrits, de textes, qui ont aussi fait l'objet de délibérations à différentes échelles. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous puissiez nous dire ce qui vous a poussé d'abord à faire ce choix de revenir vers des textes antérieurs à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et qu'est-ce que ça vous a inspiré, qu'est-ce que ça vous inspire comme, on va dire, comme réflexion, quant au fait de l'importance d'une délibération et d'un consensus qui se fait à un moment donné, à une échelle donnée, autour pas simplement d'une somme, on va dire, d'articles, de droits, mais c'est aussi une somme de valeurs, et ce qui est le aussi peut-être aussi important que la partie juridique. Écoutez, je suis assez d'accord avec vous. Ce qui m'interpelle beaucoup, c'est l'aspect juridique, mais aussi, comme vous l'avez très justement dit, il s'agit vraiment de valeurs et de valeurs que plusieurs assemblées et depuis plusieurs siècles ont essayé de rendre universelles jusqu'à ce qu'elles le soient il y a 70 ans. Après, moi, ce qui m'a donné envie de revenir dans ces textes-là, c'est justement tout simplement l'amour des textes déjà. Et je trouve que la Déclaration universelle des droits de l'homme est un texte assez beau, assez juste. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse ne pas être d'accord avec son contenu. Et je trouvais ça intéressant de le relire, parce que c'est vrai que ça soit pour les constitutions ou les grandes déclarations, on a tendance à en parler, à y faire référence souvent dans nos discussions, mais on ne va pas souvent voir les textes. Donc j'avais envie de revenir à ces textes-là. Et après, personnellement, je trouve que tout ce cheminement qui va jusqu'à la sacralité de la liberté et de la dignité telle que ça a été instituée par la Déclaration universelle des droits de l'homme vient d'un long cheminement historique et que rien dans l'histoire, de toute façon, ne peut être sorti d'un contexte historique. La Déclaration en 48, on est au moment de l'après-guerre. Je pense que l'humanité a quand même... on a découvert l'horreur humaine et la barbarie à très grande échelle, et qu'il y avait besoin de se rappeler qu'on était... de se dire, d'espérer qu'il n'y ait plus jamais ça, et de consacrer la famille humaine. Voilà. On va peut-être donner aussi la possibilité à des réactions, à la fois par rapport à ce qui a été dit, et puis à cette approche-là de la Déclaration des droits de l'homme. Merci. En fait, moi, ce que je veux, c'est plutôt enrichir les connaissances déjà assez importantes de Madame Fatem Layache sur les textes anciens qui ont précédé la déclaration. Il y a un texte vraiment très intéressant. Il est classé patrimoine mondial de l'humanité. Il est mal connu. Il n'est pas connu tout simplement parce qu'il est africain. Et il date de 1222. C'est ce qu'on appelle la charte de Mandé ou de Manden. En fait, c'est un texte qui a été lu lors de l'intronisation d'un empereur
demander, c'est Sandiata Keita, c'est en 1222, c'est dans l'actuel Mali. Mais c'est un texte très intéressant, déjà parce qu'à l'époque, pour la majorité des... C'est l'Afrique, c'est la barbarie, c'est la sauvagerie, mais en fait, le texte, c'est un texte qui a révolutionné les connaissances sur les droits de l'homme en Afrique. Ben, je n'ai pas le texte ici, mais je peux le récupérer par exemple, l'article 1 et l'article 2, vous allez voir, c'est quand même rejoint la Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 1. Les chasseurs déclarent, parce que c'est une société de chasseurs, hein, donc c'est pas une société de sédentaires, etc. Les chasseurs déclarent. Toute vie humaine est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie, mais une vie n'est plus ancienne, plus respectable que notre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Deuxième article, les chasseurs déclarent. Toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation, par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause de tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. Donc, je ne peux pas continuer. Mais c'est un texte que je vous invite à lire. Il est classé patrimoine de l'humanité. Donc, c'est la charte de Mandé. Merci pour cet éclairage, c'est super. Et on est au 13e siècle, donc. C'est génial. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres réactions? Monsieur. Alors moi, c'est juste pour une petite remarque, c'est que au fur et à mesure que vous lisiez les textes, ben, en tant que Marocain, je me disais, ben, c'est pas gagné du côté du Maroc, parce que J'ai rien dit, moi j'ai lu des textes. Voilà, moi non plus j'ai rien dit, mais bon. Je crois que tout le monde a compris, hein. C'est pas gagné. C'est ce que je trouve de plus beau dans les textes, c'est que chacun est libre d'interpréter. Les textes sont là, ils sont beaucoup plus grands et infiniment plus grands et plus bavards que nous. Et chacun. Et c'est la magie, et c'est génial que le salon du livre puisse nous emmener vers. Plein de textes où chacun peut se raconter plein de choses. Madame Layechi, vous avez cité la question de la liberté, vous l'avez cité dans différents textes que vous avez cités tout à l'heure. Donc, comment vivez-vous cette liberté dans ce que vous faites actuellement comme métier? Est-ce qu'il y a des limites que vous fixez ou comment ça se passe? Très honnêtement, dans mon métier, non, ça va. En tout cas, moi, je m'en fixe pas de limites à titre personnel. Après, effectivement, si on doit parler de ici et maintenant, donc au Maroc en 2018, je pense que la liberté d'expression, de création et surtout la liberté de diffusion des œuvres d'art est une question problématique. Je ne pense pas que tous les artistes puissent dire qu'ils n'ont aucun problème à créer, surtout à diffuser leurs œuvres d'art. Je pense qu'on manque de clarté dans ce débat-là, parce que c'est jamais très clair. Par exemple, la censure. Moi, je suis pas forcément contre la censure, par exemple. Je trouve, citer un exemple, moi, je trouve ça assez sain que Mein Kampf soit censuré aujourd'hui. Prends ça comme exemple. Mais la censure, il faut que ça soit clair. Au Maroc, on a souvent un problème de lignes rouges et on ne sait pas trop où elles sont, ces lignes rouges, et c'est un peu flottant. Au moins, la censure, c'est quelque chose de clair, de net, de précis. On va prendre la question du cinéma iranien, par exemple. Le cinéma iranien vit avec une censure énorme. Ça n'empêche pas, aujourd'hui, le cinéma iranien est un des plus intéressants du monde et un des plus vivants du monde et des plus créatifs. Je trouve qu'au Maroc, il y a une espèce de chape de plomb, de nuage. Alors, est-ce que c'est... Je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est la société qui s'embourbe dans des débats et qui fait des tempêtes dans des verres d'eau et le tout qui est d'une manière exponentielle grâce aux réseaux sociaux? Est-ce que la liberté de parole est vraiment en danger? C'est des questions, mais je pense qu'il faut...
je trouve pas le cheminement vers lequel on va soit très sain. Par exemple, pour prendre un exemple donc tout le monde a en tête, l'interdiction du film Much Love, par exemple, je trouve que c'est non seulement l'interdiction, moi je la trouve scandaleuse, mais surtout la manière dont comment on est arrivé à tout ça, je trouve ça malsain et je trouve que ça crée un climat étrange. Donc ça, c'était pour répondre par rapport au métier. Après, moi j'ai la chance de pouvoir travailler pour un hebdomadaire dans lequel je suis totalement libre de m'exprimer et pour ça je remercie la rédaction de telle quelle. Et voilà, après, liberté en tant que femme, par exemple, là, je trouve ça plus compliqué. Moi, personnellement, je ne me sens pas libre dans l'espace public en tant que femme, alors que je paye autant d'impôts que mes congénères de sexe masculin. Donc, je trouve ça aberrant que je ne puisse pas, qu'en tant que femme, on se sente dépossédée d'une partie de l'espace public. Et ça, je trouve que c'est une grande atteinte à la liberté individuelle. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de prise de conscience collective. Après, il y a des lois qui sont en train d'être mises en place. Bon, après, quand on voit qu'il y avait 16 députés dans tout le Parlement le jour du vote pour la loi des violences à l'encontre des femmes, je trouve ça, je trouve ça inquiétant. Et je trouve que là aussi, il y a quelque chose d'assez nauséabond. Ils étaient 16, donc 3 qui ont voté non, je crois. Et à la limite, j'ai plus de respect pour ces hommes aux convictions que je ne partage pas, mais au moins qui ont le courage d'affirmer, de défendre leurs convictions, qu'à tous ces soi-disant modernistes et féministes de salon qui n'ont même pas daigné venir le jour du vote. Donc, moi, je trouve que, voilà, donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu. Qui sent pas très bon, et comme c'est assez impalpable, et voilà. Donc, personnellement, je trouve ça inquiétant. Mais c'est plus en tant que citoyenne qu'en tant que. Merci. Un peu dans la même continuité, on a parlé des textes. Vous avez parlé des textes fondateurs, ou en tout cas des textes qui un peu cadrent la question des droits humains. Et un peu dans la suite de ce qu'a dit notre ami ici, qu'en est-il au Maroc ? Et plus exactement, dans un pays où les politiques ne font peut-être pas ce qu'il faut pour que ça aille mieux au Maroc, est-ce que les artistes ont un devoir, d'aller un peu plus loin que faire leur boulot d'artiste de création pour un peu bousculer les choses en remplacement des politiques qui ne font pas leur boulot? Je pense que les artistes n'ont pas de devoir. Après, qu'il y ait des artistes engagés, moi je trouve ça très bien et je respecte. Certains défendent leurs convictions, quelles qu'elles soient, je trouve ça super. Mais après, qu'un artiste n'ait pas du tout envie de répondre, de prendre cette place-là, moi je respecte aussi ça. Après, il y a beaucoup d'artistes au Maroc qui ont un vrai message et qui le défendent. Et je crois d'ailleurs vous allez en recevoir quelques-uns tout à l'heure. Mais je pense pas que ce soit un devoir. Moi, ceux qui ont un devoir, c'est les politiques, et encore plus les élus qui ont un job grâce à nos voix et qui sont payés avec nos impôts. Et je ne peux pas. Il y a un moment où il faut rendre des comptes. Eux ont un devoir envers nous en tant que citoyens. Les artistes, non, s'ils ont envie, oui. Mais après, moi, je trouve ça chouette quand des artistes prennent la parole et défendent leurs convictions. Mais je trouve pas ça malsain qu'ils ne le fassent pas. Et c'est tout à fait légitime de ne pas avoir d'avis ou de ne pas vouloir en avoir en tant qu'artiste. Juste avant de conclure, une petite question, pas sur le registre de l'engagement, mais plutôt sur le registre de la sensibilité de l'artiste, parce que ça, c'est beaucoup plus important. C'est vrai qu'on peut faire un constat, un état des lieux, des libertés, des décalages qu'il peut y avoir entre les textes, entre les engagements et la réalité. Mais c'est vrai que l'artiste aussi, l'apport qu'il peut, qu'il peut apporter, c'est aussi à travers sa sensibilité. Moi, je trouve particulièrement intéressant, notamment dans vos chroniques, c'est que vous arrivez
saisir un peu le, ce qu'on appelle l'air du temps et, c'est, et qui démontre aussi la difficulté qui est liée plus à la fois aux représentations, qui est liée plutôt, qui est liée à l'éducation, à l'accumulation d'un certain nombre de représentations et qui en in fine joue un rôle très très important, parce que le citoyen, vous avez parlé de la déclaration française qui est la déclaration internationale des droits de l'homme et du citoyen qui précise bien que la question des droits de l'homme n'est pas simplement une question politique et une question du pouvoir politique, c'est aussi une question de responsabilité des citoyens. Et je pense que c'est un aspect qui est très très important. Et c'est à ce niveau-là que je dirais que l'artiste, mais autant que d'autres, hein, peut apporter sa petite touche à la fois à mettre le doigt sur les petites choses, sur les petites anicroches qui font que les choses ne se passent pas comme il faut, quoi. Oui, je suis assez d'accord avec vous, mais cette notion de citoyenneté, je la trouve essentielle, et c'est ce qu'on est tous citoyens et on ne peut pas être assigné à autre chose, parce qu'on est par essence citoyen. Donc après, si dans nos choix artistiques, on a envie de mêler nos convictions ou nos colères ou nos tristesses de citoyens, chose qui m'est arrivée de faire, pas dans tous mes travaux, mais dans certains de mes travaux, c'est voilà, je pense que ça reste un choix et qu'en effet, après, c'est par exemple dans la musique dite contestataire au Maroc, il y a des choses vraiment qui sont très belles parce que extrêmement singulières et que aucun article ne pourra décrire, et que c'est ce que vous disiez, que c'est la sensibilité, le regard d'une. La singularité d'un artiste et de ses convictions, ça peut créer d'assez belles choses. Mais je redis encore, je pense pas que l'artiste soit obligé d'être engagé ou de militer pour quoi que ce soit. Je pense que on doit être totalement libre si on a envie d'être dans une démarche totalement désengagée, juste quelque chose de l'art pour l'art. On doit pouvoir avoir cette liberté là aussi. Mais je pense que si, par contre, citoyen, ça, on ne peut pas sortir de sa citoyenneté, parce qu'on ne sort pas de la société. Merci beaucoup à Fatim El Ayachi de cette contribution-là. Donc les activités du CNDH vont continuer avec un hommage qui aura lieu tout à l'heure au collectif Le Boulevard, mais avant cela, je vais passer le micro à Kassou, Abdelrahim Kassou, du Conseil national des droits de l'homme, qui aura un petit mot à dire. Merci. Enfin, le mot est très rapide pour vous remercier de votre participation. Un document, j'espère que tu ne l'as pas. Ça vient de sortir, l'anthologie de l'AETA, fait par Brahim Mznet, un très gros boulot, un très gros travail, donc qui vraiment. Bien sorti, un gros travail de recherche, d'enregistrement. Et donc, merci. Merci. Merci pour la participation. Et de ce type de travail, vraiment à encourager le travail de Fatim, mais aussi tout le travail des gens, les artistes, mais également les gens qui travaillent pour la promotion de la culture et du droit à la culture. Merci beaucoup. Je suis trop content.